voudrais dire que le prêcheur est cité de l'éducation également. Mais pour revenir à la question d'éducation, moi, je crois beaucoup à la coéducation également. J'ai vu ton adepte de parole au Fréry, parce que je ne crois pas aux processus unilatéraux. Et d'ailleurs, même chose hein, sur les processus de décision. On a vu des stations de taxi qui étaient des équipements implantés urgemment et finalement ne pas être utilisés par les chauffeurs de taxi. Ça veut dire que le processus est lent, prend son temps, mais il suscite l'adhésion et on a besoin d'adhésion, de grande adhésion. Mais des modèles imposés, je n'y crois pas trop. C'est mon point de vue. Je crois aussi que le principe de cité d'éducation, c'est la coéducation. Donc, on apprend en tant que l'enfant qu'on lui apprend. Mais aussi par le côté pratique, l'apprentissage se fait aussi par l'expérience. Et du coup, je crois beaucoup à l'expérimentation, à l'innovation. C'est pour ça que susciter la plus grande adhésion autour d'un modèle économique basé sur, je le dis rapidement, la croissance verte, c'est effectivement démontré à travers l'expérimentation, l'innovation. J'espère bien que l'AFD saura soutenir justement les projets innovants, que ce soit des projets d'entreprise ou des projets de collectivité.